fait vendredi soir? On invite-tu les amis à souper? C'est bien qu'on n'en a pas, les amis. Je veux dire, en couple. C'est un fait. Pas parce que je vais pas essayer, là. Tu parles du couple Frédéric-Alex? Non, non, l'autre affaire dont je t'avais parlé, là. Oublie ça, François, j'irai pas dans un club échangiste. Salut! Hey, François, es-tu prête à partir? Vous allez travailler ensemble? Non, je lui donne un lift, pas pareil. Non, Sylvain, affaire en ville, où donc? Dans le centre-ville, là, pas très loin de ton bureau, là. Non, comme ça, vous êtes rendus des grands chums. Non, 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 c'est juste quelque chose de strictement pratique. Ah, tu penses à l'environnement? Non, à la voie réservée au covoiturage. Sauver une demi-heure. Ah, ben, accompagné d'un copilote charmant. Bon, y va-tu, là? Ah, oui. Oui. Hey, François, je me suis levé en retard un matin. Ça te dérange-tu si je déjeune en chemin? Ah, non, pas de problème. Ah, merci. Bon, on y va. T'as engagé Sylvain, toi? Fred, plutôt, vous m'avez demandé de trouver quelqu'un de pas cher, faire des petits travaux, j'ai pensé à Sylvain. Toi, tu m'as dit que tu travaillerais pas loin de mon bureau, pas dans mon bureau. Ben, il est pas loin, il est juste là, là. En soir, c'est pas pour longtemps, une couple de jours, une semaine. Mettons, un mois maximum. Un mois? Ah. Fais-toi genre pas, François, tu me connais. Je sais me faire discret. Moi, je sais. Bon, hey, Alex, par où tu veux que je commence, là? Commence par le mur de briques. Je pense qu'il y a une coupe de fissure, même un petit peu de mortier là-dessus, ça va être beau. OK. Ah, oh, François, je suis désolé hein, pour les œufs, c'est des bancs de cuir. Ça va, ça ouais. va. Hey, puis pour la graisse de bine sur ton tapis, là, je connais un excellent produit. C'est correct, regarde, je m'en occupe. Ah. Merci beaucoup, Alex. Ouais, il est compétent. Pas ça le problème. Mais oui, tu n'en apercevras même pas qu'il est là. Ya, 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 ya. Ah, excuse, parce que j'aime ça travailler avec de la musique. Anyway, qu'est-ce que tu fais à soir, toi? Un super avec Dorian en tête à tête, puis on va regarder un petit film après, là. Petite soirée plate. Pas une soirée plate, c'était en couple. Ah, OK. Encore ces affaires de petits couples qui sortent avec des petits couples. C'est pas son histoire, c'est une loi non écrite, là. Quand elle sort de son bar, elle peut voir des personnes seules. Quand je sors de mon bar, je peux voir des célibataires, mais ensemble, juste des couples. Ça doit être pour ça que François, il m'invite jamais à souper. Exactement. Tu as-tu des messages? J'ai reçu 31 courriels juste ce matin. On a-tu des grosses commandes? Rien pour notre business. Mais si j'avais un pénis, je pourrais le faire allonger de 40 pouces. Hey, c'est beau, l'Internet, là, mais ça sert pas à grand-chose. Ben, c'est parce que tu fréquentes pas les bons sites. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai rencontré un homme sur Internet, moi, la semaine passée. Bien sûr, laisse-moi deviner. T'as rencontré un Russe, 6 pieds 2, blond aux yeux bleus, beau bonhomme, c'est ça? Exactement. Attends de le rencontrer, tu vas avoir tout un choc. Je l'ai rencontré, puis tout était vrai. Quand est-ce que tu le revois? Oh non, je pense pas que je vais le revoir, là, c'est pas... Pourquoi? Mais comme toi, je pensais qu'il exagérait, ça fait que j'ai dit que je portais du 38D. Il devait être déçu. C'est-à-dire que tu lui as menti. Ouais, c'est ça, là. Ça fait que ça n'a pas marché. Mais sur quel site t'as rencontré ça? Pourquoi? Ça te tente? Pas du tout, c'est par curiosité. Et c'est vrai, toi, que tu devrais te chatter un peu, ça te ferait rencontrer des nouveaux gars? Mais voyons donc. Ben, pourquoi pas? Chatter, c'est pas tromper. Oui, mais je suis mariée, moi. Mais pis ça, t'as le droit de te faire des nouveaux amis? Des amis? Je suis mariée. Mais des amis, ça peut être beau aussi, tu sais. Des amis qui, des fois, ont besoin que tu jases avec eux. Ah, oublie ça, je suis mariée.
OK, d'abord. Mais, sur quel site? Bonjour. Je vous apporte quelque chose. Ah, nouvelle serveuse, est-ce qu'on peut avoir? Non. Dana. Dana. Et vous? Ah, c'est original, ça, Dana. Comme, viens donner un beau bec à Alex. Non, comme dans Arrête de t'essayer, ça donne à rien. Ah, de l'esprit, hein? Je vous apporte quelque chose? Je prendrais un Perrier citron, si vous voulez. Je vous apporte ça tout de suite. Ça va être la même chose pour moi, ma belle Dana. Ouais, c'est beau. Tu vis ça, toi? Oui. Tu t'es fait revirer de bord, par à peu près. Mais non, tu t'es fait creuser par à peu près, François. Bien. Comment tu vois ça? Oui, c'est évident. As-tu vu comment elle t'a regardé, le beau sourire, la belle façon? Écoute, c'est clair qu'elle paye pas. Tu vois ça en deux secondes? Oui, l'expérience. Ah, c'est sûr. C'est sûr que tu peux pas voir ça. Pourquoi? Parce que quand une fille te crouse, c'est comme si t'avais un morceau d'épinard entre les dents. Tout le monde le voit, sauf toi. Ah, mettons, mais là, je vais mettre les choses au clair. Je voudrais pas qu'elle se fasse des idées. Non, non, non. Hey, quoi? Tu vas aller dire que t'es marié et que tu veux rien savoir? Ben oui, je suis marié. Hey, François. La vraie vie appelle François, là. Cette fille-là a un œil sur toi. L'as-tu regardé comme il faut? Oui, mais je suis marié. Mais oui, mais rien t'empêche d'avoir des amis. Des amis? Mais oui, mais... Mais je suis marié. C'est pas grand, ça. Tu sais, des amis, ça peut être beau aussi. Des fois, des amis, ça peut avoir besoin que tu couches avec. Alors, oublie ça, là. Je suis marié. Puis, alors, rien, ça va de moi. Je suis marié. Ben oui. Voilà. C'est qui, elle? T'as chargé trop cher? Non, elle m'a donné son numéro de téléphone. C'est sa photo, ça? Ouais. Il s'appelle Kevin. Méchant pétard. Oh, un homme, un vrai, un mâle, là. On fait juste chatter, là, hein? Ça fait juste une semaine. On n'est même pas des amis encore, là. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? T'es en train de te faire un ami, Dorian. Mais là, je suis mariée. Mais oui, mais c'est pas parce qu'on est au régime qu'on peut pas regarder le menu. Hey, regarde le dernier message qu'il m'a laissé. T'invites son bateau en croisière? Hey, tu vois bien que c'est plus juste le menu? C'est rendu qu'il me demande de me pitcher dans le buffet à volonté. Ah ouais, à pleine face dans le rose beef! Puis avec Dana, comment ça avance? Rien n'avance avec Dana. Là, c'est une amie, c'est tout. Je suis marié. Hey, t'es au lounge 4 fois par jour depuis une semaine. Donc... Parce que c'est un excellent endroit pour réfléchir au positionnement de la compagnie. Moi, je pense que tu réfléchis plus aux positions que tu prendrais en sa compagnie. OK, Alex, bon, j'avoue que j'aille pas ça, savoir qu'une fille s'intéresse à moi, là, mais c'est tout, là. Je suis marié. François, arrête de dire ça. Laisse la nature faire son œuvre. Là, appelle-la, invite-la au restaurant. Laisse ton instinct te dicter quoi faire. C'est dans nos gènes de séduire les femmes. On est des chasseurs. Tu peux pas effacer 50 000 ans d'histoire. Hein? Juste parce que les femmes ont décidé qu'aujourd'hui, on pourrait plus chasser d'autres femmes. Hey, wow! Non, voyons, non, oublie ça, là. Ça va bien avec Dorian. Je peux pas tout fucker ça, là. Non. Dorian, elle saura pas. Tout ce c'est. Ben non, qui c'est tu veux qui te stoule? Moi? Salut! Lui. Oui. Lui, il s'en rendra même pas. Hey, François, tu allais manger au lounge à midi. As-tu fait la belle serveuse, toi?
Non, pas vraiment. Non? En tout cas, elle t'a vu. Arrêtez pas de parler de toi. Ah ouais? Moi aussi, j'ai pas arrêté de parler de toi. Ouais. J'ai dit que t'avais un petit garçon, t'étais marié, puis c'était du solide. Salut! C'est réglé pour M. Giroux. J'ai réussi à y passer la vieille céramique brune. Good! De toute façon, pour lui, ça n'a pas d'importance, il est daltonien. Qu'est-ce que tu faisais? Yeah. Encore en train de chatter avec le beau Kevin? Ben non, c'est fini, ça. Hein, oui? Mm. Qu'est-ce que tu faisais d'abord? Oh. Laisse-moi... Laisse-moi voir. Rien d'intéressant. Coudon, toi, t'es-tu en train de faire du cybersexe pis ça te gêne? Mais voyons donc, pour qui tu me prends? Hey, non! J'ai dit non! Chat en chaleur? Oui, je chatte avec des gens des Antilles. Écoute, François, je le sais que t'es mariée, hein? Moi, tout ce que je veux, là, c'est souper avec toi. J'ai le goût de te connaître un peu plus, c'est tout. Ah, mais c'est sûr que c'est un souper... Y'a rien là, c'est sûr. Puis après, ben, on pourrait aller prendre un verre. Ah, vous voyez, un verre, y'a rien là, c'est sûr. Puis après, ben, on verra. Hein? On est deux adultes, on sait ce qu'on fait, non? Ah, ben, c'est sûr, on est deux adultes, c'est... Je suis sûr, là. Tu peux me le dire si je te plais pas, hein? Ah non, c'est pas ça, même si tu me plais tout tôt. Bon. Alors, ça marche pour ce soir? Oh, OK. Parfait. Je finis de travailler à 7 heures. Tu passes me prendre? Oui, bon, discret. Faites-vous en pas, il y a personne qui va nous voir. Salut! Salut, Sylvain. On prend-tu une bière ensemble, François? Non, merci, vous retournez au travail, au bureau, là. Hey, François, OK. Sois discret, là, OK? Regarde pas tout de suite, là. C'est elle, Dana! Ah, t'es encore debout? Oui, je m'endormais pas. Puis toi, ta soirée au travail? Ah! Travaillez fort. Ça va? On dirait qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Non, il n'y a pas. Ben, ouais, il y aurait peut-être quelque chose. Quelque chose qui te concerne aussi. Ah oui? Mm. Ouais, As-tu déjà songé, toi, à aller voir ailleurs, comme ça? Mais là, pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? As-tu quelque chose à me cacher, toi? Non. T'as rien? Mais là, je sais pas si on peut considérer ça comme ailleurs, là, mais ça... J'avoue que des fois, je chatte sur Internet. Ouais, pis... Ça te dérange pas? Ben, non. C'est pas comme si tu chattais avec des hommes sur un site de rencontre. Ah, parce que tu chattes avec des hommes sur un site de rencontre. Bon. Ben, en fait, OK, c'est pas comme si tu faisais du cybersexe avec le même gars soir après soir, depuis une semaine. Tu fais du cybersexe? Là, je sais pas quoi te dire. Là. J'ai peur que si je dis au moins t'as pas fait deux enfants, vous partez pas vivre au Brésil, que tu te revires encore? Non, François, c'était même pas le fun, hein? C'est virtuel, là, cérébral. Ben là, je m'excuse, mais faire l'amour virtuel, c'est faire l'amour pareil. Moi, au moins, je me suis retenu. Mais non! C'est pas pareil, François, c'est... Tu t'es retenu!
connu. Oui, mais c'est ça que j'allais dire, là, que tu me parles de ton Enrique Iglesias, là. J'écoute. Ben, je n'avais pas vraiment de travail ce soir. Je suis allé souper, bon, avec la nouvelle serveuse Olange. Pardon? Ben oui, ça fait une semaine là, que je l'ai rencontré. Puis elle m'a donné son numéro de téléphone tout de suite. Là. J'ai dit non, non, non au début, mais là, elle m'a harcelé, elle me lâche à l'eau. J'ai pas pu résister. Là. J'ai fini par céder. Puis on... Mais tu sais, ça faisait longtemps qu'une fille n'était pas intéressée à moi, puis j'ai comme juste joué le jeu. Là. Bon. Tu m'as joué dans le dos? Ah, non. Non, 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 non. Tu vas voir, là, tu vas être fier de moi. Parce que je suis allé reconduire après. Puis elle m'a invité à monter à son appartement pour aller prendre un verre. J'ai dit non, 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 je m'excuse, je suis marié. T'as dit non? J'ai dit non. Mais là, elle m'a sauté dessus, parce qu'elle m'a embrassé. Là, après quelques secondes, je l'ai repoussé, là, j'ai dit non, je m'excuse, je suis marié, je peux pas faire ça à mon épouse que j'aime. Hein? J'étais hâte, hein? Après quelques secondes. Deux, trois, gros max, le temps que je repousse, hein? J'en reviens pas que tu m'aies fait ça. Eh oh, j'ai pas fait ça, comme tu dis, là. J'ai rien fait. Toi, tu l'as fait, par contre. Moi, j'ai rien, mais je me suis retenu, moi. Ouais. Tu t'es retenu. Donc, t'en avais envie? Ben oui, j'en avais envie. Je suis un gars, j'ai toujours envie. Ben, j'espère que t'as envie de dormir sur un divan, parce que c'est là que tu vas dormir pour un maudit bout. Hey, j'ai rien fait. C'était de l'autodéfense. Il t'a pas fait ça? Oui. Il l'a frenché? Oui. Un bon 20-30 minutes. Oh, les cœurs! Hein? Mais là, tu te laisseras pas faire, Doriane. Ah, j'en ai pas l'intention. Check-moi bien aller. Uh-huh. Doriane, tu vas pas te contenter de chatter, là? Pas cette fois-ci. Je vais m'arranger pour rencontrer quelqu'un. Pas sur chat en chaleur, toujours? Non. Un autre site. Lequel? MarieCocu.com. Oh! T'es sûr que t'es dans le trouble? T'as fait deux erreurs. Comment ça, deux erreurs? Eh oui, tu l'as pas fait, puis tu l'as dit. Normalement, tu le fais, puis tu le dis pas, pas le contraire, niaiseux. Oui, mais je vais être respectueux, puis fidèle à ma femme. Ben oui, mais là, t'es têtu, puis tu vas être fidèle à ta main pour un maudit bout. C'est quoi ce concept de franchise-là? Ben, je voulais avouer mes fautes. Mais t'en as pas de faute, t'as rien fait. Tant qu'avouer quelque chose, fais-le. Écoute, ça fait 2000 ans que ça marche jamais. Depuis l'âge des cavernes que ça marche comme ça. Hein? L'homme, il trompe sa femme, il ferme sa gueule, puis tout le monde est content. Là, tu vas pas venir nous fucker ça avec ta maudite franchise. Si. Mais là, Dorian n'avait même plus me parler. Je sais quoi, là. C'est du là. Hein? Séduis-la. Là, c'est quoi le but? On est déjà mariés. Quand la petite fille au bar, là, t'a cruisé, là, t'as aimé ça, non? Oui. Hein? Ça faisait longtemps qu'une fille avait pas fait des efforts pour te séduire, non? Oui. Ben, peut-être que Dorian a ressenti la même chose, tu sais. Des fois, on pense que juste parce qu'on est mariés, on est assuré d'avoir une fille dans notre lit à chaque soir. Mais Alex, là, pour avoir une fille dans son lit à tous les soirs, là, hein, faut qu'il fasse des efforts, faut qu'il travaille. Ben, c'est la même chose avec la femme qu'on aime, tu sais. Faut faire des efforts pour la séduire à chaque jour de notre vie. Sinon... Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Un beau jour, tu te réveilles un matin. Ah, ton petit bilouga, il est plus là. Oh, tu sors? Ouais. Quelqu'un vient me chercher. Ah, Julie? C'est pas de tes affaires. Un autre de tes rendez-vous galants? Mm. OK, c'est pas de mes affaires. Bonne soirée. Eh oui, à moins que tu attendais quelqu'un d'autre, comme Xavier. C'était toi? Oui. Oh,
l'instant, on se connaît à peine, jolie demoiselle. Je ne suis pas un homme facile. Pardonnez-moi, monsieur. Vous devriez être habitué de recevoir des fleurs, une si jolie dame comme vous. Non, justement. Comment dire, mais ça fait du bien de savoir qu'on peut encore séduire. Certainement que vous pouvez encore séduire, et vous séduirez toujours. Et je vous le rappellerai le plus souvent possible. Comment t'as fait pour savoir sur quel chat j'étais? Dorian, quand tu vas sur Internet, il faut que tu t'effaces ton historique. Parce que sinon, on peut tout voir les sites que tu as consultés. Fait que moi, ce matin, j'ai checké un coup d'œil, puis j'ai chatté avec toi toute la journée. C'était toi, le beau grand blond avec les yeux marrons? Oui, qui chattait avec une jolie rouquine avec du 38D. Salut! Hey, François, je me demandais si ça vous tentait de venir souper chez nous. Ah, on a d'autres plans pour ce soir, nous. Oui, nous autres, on est en couple, alors on sort juste avec des gens en couple. Ah, ben ça donne bien, moi aussi, je suis en couple. Viens-t'en, ma petite crevette.